Bonjour à tous et bienvenue. Quel panorama les enfants, quel paysage. On est en Uruguay, dans le département de Maldonado, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, on ne vient pas ici pour le Deportivo Maldonado, grand club devant l'éternel pour faire de l'évasion fiscale. Mais on a Punta Machena, comme on dit, pour présenter la version poche et actualisée de mon ouvrage autour d'Enison Cavani. Alors comme vous voyez, la couverture est différente. On va voir petit détail charrua, petit détail uruguayen. Alors, il était sorti l'année dernière, normalement. Il y a une traduction, une adaptation donc, en Uruguay. Et maintenant, en français, sort la version poche. Alors, tant mieux, j'ai envie de dire déjà, parce que je suis très content, c'est la première fois que j'ai un des bouquins en poche. Et surtout, parce qu'il est en rupture de stock. Hein. Aujourd'hui, c'est très compliqué de retrouver cette biographie autorisée d'Edinson Cavani. Alors, je rappelle donc que c'est une biographie avec quasiment 100 témoignages de personnes l'ayant connu, des gens proches et moins proches, que c'est une histoire autour de Cavani, en fait. C'est pas sur Cavani, c'est autour, avec sa génération, sur l'Uruguay, et les particularités de ce pays. Donc, il y a la moitié du bouquin un peu comme ça, et le reste, c'est très tactique, notamment son passage en Italie. Il y a aussi plusieurs chapitres sur Paris. Donc, ce qui change avec la version sortie l'an passé, c'est que il y a le parcours à la Coupe du Monde et de l'an passé du Paris Saint-Germain. Donc c'est un nouveau chapitre qui a été ajouté. Sinon le livre est le même. Ah, évidemment, une petite différence, c'est le prix. Le prix, c'est 7,60€, vu que c'est une version poche. Il sera disponible à partir donc, du 3 janvier. Donc en théorie, demain, si ma connexion a bien voulu uploader à temps la vidéo. Parce que je suis quand même un peu au fin fond du monde et j'avoue que les connexions uruguayennes parfois sont un peu spéciales. Donc voilà, écoutez, pour tous ceux qui veulent offrir, je pense que c'est un bon cadeau, ça coûte pas très cher. J'ai mis dans les liens de la description beaucoup d'articles, de critiques justement parlant du bouquin, parce que c'est assez compliqué toujours de se vendre, etc. Je suis pas là pour vendre. C'est une enquête, hein, en tous les sens du terme, culturelle, sociale, tactique, footballistique. Et puis bon, je me suis dit, pour présenter ce bouquin-là, franchement, c'est pas si mal, non ? Avouez ce magnifique point de vue. On n'est pas tellement loin de Montevideo. Alors on est loin quand même d'où vient Cavani. Cavani vient de l'intérieur, je rappelle. Alors l'intérieur, on peut traduire ça comme la province en Uruguay, qui est un état très centralisé. Mais on aura le temps d'y revenir, parce que vous allez voir ces prochaines semaines, étant actuellement de passage ici, il y a eu divers entretiens, reportages qui ont été tournés, qui n'attendent qu'à être uploadés. Donc je rappelle, le livre est disponible dans toutes les librairies, Fnac, vous pouvez le commander sur internet, j'ai mis tous les liens, il est également disponible de partout. Pour terminer quand même, La Mano Negra, hein, vous rappelez mon dernier ouvrage, tatatatam. Alors, il va être de nouveau disponible bientôt sur Amazon et Fnac en ligne, pardon. Mais je vous ai mis des liens où il est aussi disponible. Je vous rappelle qu'il est toujours disponible en librairie et dans les Fnac physiques, également en version électronique, ce qui fait que vous pouvez le lire où vous voulez. En attendant, de toute façon, je vous donnerai les nouvelles très très vite pour la redistribution de La Mano Negra. Merci à tous pour votre soutien. Je sais que pour La Mano Negra, il y en a pas mal qui l'ont acheté, qui m'ont envoyé des photos, ça me fait très plaisir. Pareil pour celui-là. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Et puis en attendant, Uruguay no más.